Madame Asma Hajam, bonjour. Bonjour. Euh, alors, comme on le sait tous, euh, l'innovation euh, est en train de, de révolutionner euh, euh, tous les secteurs, et notamment le secteur bancaire. Et euh, pour euh, la société générale, c'est une, une évidence, on va dire. Euh, justement, euh, parlez-nous un petit peu de la stratégie que vous avez adoptée pour, pour euh, renforcer... Et adapter votre, votre processus d'innovation à la fois aux changements qui s'opèrent un petit peu dans le monde et aux attentes de, de vos clients. Merci beaucoup. Et effectivement, l'innovation est, est une de nos valeurs fortes, euh, que ce soit dans le groupe Cité Générale dans le monde et que ce soit dans Cité Générale Maroc. Euh, elle a toujours fait partie de notre ADN, de notre manière de fonctionner. Et je pense que l'innovation, et c'est important de le rappeler, c'est. Euh, principalement, comment raisonner en rupture, mm -hmm. comment euh, sortir des sentiers battus, comment développer euh, des solutions, des processus, hein, euh, un parcours qui est, qui est innovant et qui apporte une valeur ajoutée, qui apporte une valeur ajoutée à l'entreprise, qui apporte une valeur ajoutée aux clients mm -hmm. et qui peut apporter aussi une valeur ajoutée aux collaborateurs. L'innovation n'est pas simple parce que souvent on associe l'innovation au digital, c'est mm -hmm. pas exactement la même chose, on peut innover en dehors du digital. On peut penser en rupture et différemment en dehors du digital. Et c'est important qu'elle soit vraiment imprégnée dans toute l'organisation et dans toutes les strates de l'organisation, que ce soit dans les, le siège, dans les directions centrales, dans le réseau, dans l'exploitation, en face à face avec le client. Ça, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, l'innovation est en général la plus pragmatique et la plus réussie quand elle émane du terrain. Et c'est pour ça qu'un de nos enjeux majeurs, c'est comment faire en sorte de diffuser les processus innovants et la démarche d'innovation à toutes les strates de l'organisation. Euh, l'ensemble des collaborateurs de ce général Maroc travaillent sur l'innovation. Donc ce n'est pas une direction de l'innovation ou une Digital Factory ou des pôles technologiques qui travaillent sur ça. C'est l'ensemble de l'organisation et chacun euh, est amené à innover au quotidien dans sa manière de travailler, dans sa manière de créer, dans sa manière de servir euh, le client, dans sa manière aussi de faire au quotidien son travail, qu'il soit régalien, commercial ou, ou un travail de contrôle. Et c'est extrêmement important d'approcher de, 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 cette démarche d'innovation à travers cette optique-là, qui est comment travailler mieux, comment mieux servir son, son client, comment être productif et efficace en sortant des, des sentiers battus. L'enjeu aussi par rapport à l'innovation, c'est comment faire en sorte qu'en dehors de l'organisation qui peut très bien innover, comment faire participer euh, tout l'écosystème dans lequel nous évoluons, comment faire, partie, euh, euh, faire participer les entrepreneurs, les, 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 les start-up, tout l'écosystème d'innovation, nos partenaires, nos clients aussi à des démarches innovantes. Et c'est pour ça que c'est intéressant à chaque fois de revenir, leur donner la parole, leur donner une marge de manœuvre, les faire participer, euh, pas seulement dans des des Open Tech Challenge parce que ça ça peut être un événement intéressant qui concentre une démarche de création, d'idiation et de recherche d'une de nos mais tout au long de l'année en créant des espaces d'échange réguliers et c'est ce qu'on essaye de faire à travers une démarche globale, une démarche continue et une démarche qui est diffusée dans toute l'organisation pour pouvoir mieux fonctionner, mieux servir nos clients et apporter des solutions satisfaisantes. Donc on va dire que c'est une stratégie qui est prolongée dans le temps. Et comment est-ce que vous l'adaptez au fur et à mesure aux changements qui s'opèrent On sait que, que maintenant, il y a beaucoup d'innovations, notamment dans le secteur. Est-ce qu'il y a une veille qui est faite au niveau international Et comment vous l'adaptez justement au contexte marocain Merci pour votre question. Et effectivement, cette, cette question est la clé. Euh, L'innovation n'est pas... Euh... Euh, un feuilleton avec des épisodes, épisodes discontinus dans le temps dans lequel on vient faire une démarche commerciale ou marketing ou communication pour dire qu'on est innovant c'est quelque chose qui doit faire partie de l'adn de l'entreprise. Euh, innover c'est aussi euh, donner une marge de manœuvre aux collaborateurs. Euh, C'est-à-dire leur donner aussi le, le, le droit de ne pas réussir toutes les initiatives. Le droit à l'erreur fait partie de notre, du principe de l'innovation. Parce que si on attend toujours d'avoir des démarches abouties, complètement parfaites, pour pouvoir les lancer, on ne va pas être innovant parce que la censure va s'installer. Donc c'est important aussi que globalement d'ailleurs ça fait partie aussi de notre démarche même de d'évaluation des compétences et des comportements de dire euh, quelle est l'attitude du manager et comment on la sanctionne positivement qui va donner une marge de manœuvre à un espace d'innovation dans son équipe quelle que soit la nature de l'activité qui est opérée qu'elle soit commerciale euh, qu'elle soit back office middle euh, technologique ou une fonction de contrôle ça, c'est très important parce que ça permet tout un chacun d'avoir une marge de manœuvre dans laquelle on peut exprimer des idées nouvelles qui nous permettent de tester, euh, d'expérimenter, de, euh, d'aller jusqu'au bout quand ça fonctionne et de laisser tomber, de reprendre une nouvelle idée euh, pour toujours aller dans cette démarche d'amélioration continue et essayer d'être au plus près de ce que nos clients attendent. Il faut aussi être à l'écoute des clients. Être à l'écoute des clients, être à l'écoute aussi des changements des comportements des consommateurs. Ça s'opère un peu partout dans le monde, ça s'opère aussi au Maroc. On a des clients de plus en plus connectés, de plus en plus avertis, qui ont besoin d'avoir des process au meilleur standard et qui ont besoin d'être surpris par leur entreprise de service et par la banque en particulier. Notre ambition aussi, c'est de faire en sorte qu'on arrive à nous rapprocher le plus de cette attente-là et à surprendre positivement nos clients pour être au plus près de, leur, de leurs attentes et mieux les satisfaire. L'innovation, c'est aussi concilier entre des antagonismes des fois qui sont assez importants dans le métier que nous exerçons aujourd'hui parce qu'on doit être performant on doit répondre à un besoin client mais on doit être efficace l'innovation c'est aussi travailler différemment pour aller conjuguer efficacité et pertinence commerciale pour aller atteindre nos objectifs opérationnels, satisfaction, commerciaux, financiers et globalement notre stratégie aboutira ainsi. Mm -hmm. Vous avez parlé de surprendre la clientèle. Je pense que vous les avez justement surpris en lançant l'agence Flagship en septembre 2019. Comment vous l'avez pensé et quel a été l'impact par rapport aux clients Comment ils ont accueilli cette, ce concept Effectivement, vous avez bien perçu le, le, le point. Effectivement, notre volonté, c'était de venir avec un, une expérience nouvelle. Euh, D'ailleurs, de, de, qui s'inscrit dans notre euh, stratégie, hein, telle que je, je l'ai citée tout à l'heure. Euh, un des piliers de notre stratégie, c'était toute la partie euh, réinventer l'expérience bancaire. C'est euh, aussi venir proposer euh, des parcours complètement réformés et qui vont aller faire euh, un lien intéressant entre le physique et le digital et apporter des expériences qui sont satisfaisantes pour, pour nos clients. On l'a voulu aussi comme un projet emblématique, un projet emblématique qui incarne ces valeurs-là, la valeur de l'innovation. Et donc c'est pour ça qu'on a mis un certain nombre d'innovations en termes de parcours, de fonctionnalités, de digital. L'innovation aussi en termes d'aménagement d'espace. Parce qu'effectivement, on vient avec un concept d'aménagement qui est complètement renouvelé, qui sort des, des, des standards d'une agence bancaire classique et qui devient finalement un espace agréable où le client peut se plaire à venir visiter sa banque. Sans forcément rencontrer un conseiller, parce qu'il aura un ensemble de services de self-care euh, qui lui permettent de faire une large panoplie de services bancaires, qu'on a énormément enrichi. D'ailleurs, l'idée, ce n'était pas juste de faire l'immobilier, mais d'avoir des vrais contenus déjà développés et opérationnels. Et ça, c'est vrai sur les ELS, où on a aujourd'hui des automates qui font une large panoplie de services bancaires, en plus des retraits en plus des, des, des paiements de factures. On a tous les facturiers qui sont sur nos, nos guichets automatiques. On a le dépôt de cash, le dépôt de chèques, le virement bancaire et on va continuer à enrichir euh, ces espaces de, de, de self-care où le client peut faire l'autonomie, euh, l'opération d'autonomie sans faire une file d'attente et attendre dans un, dans un comptoir. Euh, ce qui est important aussi, c'est que le client puisse avoir euh, des espaces d'accueil intéressants. À la fois pour faire une opération un peu plus complexe qu'il ne peut faire dans un self-care, euh, rencontrer un conseiller, travailler sur de l'ingénierie patrimoniale, travailler sur un dossier ou un projet qui tient à cœur à notre client, que ce soit un projet immobilier ou un projet d'épargne de, 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 ou de valorisation de ses de, 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 de avoirs, et, et d'avoir des espaces qui permettent d'avoir en toute intimité à la fois cette valeur de transparence, cette valeur de discrétion, tout en mettant à sa disposition des experts qui peuvent l'accompagner dans des moments forts de la vie d'un client et des moments forts de la valorisation d'une relation client. Euh, on a un mur végétal qui incarne aussi cet euh, euh, engagement RSE de l'Asté Général Maroc, dans lequel nous sommes résolument euh, engagés et nous continuons à investir. Et on va investir on va dans ce domaine-là en incarnant un peu les valeurs de responsabilité sociale et environnementale qui sont attendues de groupes financiers comme, comme nous. Euh, nous l'avons souhaité aussi comme un espace qui permet aux collaborateurs hein, de mieux profiter de son agence pour mieux servir son client. Donc c'est aussi de nouvelles fonctionnalités, c'est de la mobilité. Tous les collaborateurs ont des laptops, ils peuvent se déplacer dans l'agence et avoir accès à leurs outils sans forcément être obligés d'être dans leur bureau. Euh, donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que cette mobilité peut aller au-delà de l'agence et c'est en fait mettre à la disposition de tout un chacun, que ce soit nos collaborateurs, nos commerciaux, les outils qui nous, leur permettront de mieux servir le, le client. Euh, ce n'est qu'un début parce que ce sont des espaces qui vont continuer à être réinventés. Hein. Ce n'est pas parce qu'on l'a fait que ça y est, c'est fini. Ça sera une démarche permanente d'évolution de ces contenus-là. Et on attendra aussi de manière régulière d'avoir des retours clients. On a déjà les premiers, on a travaillé dessus. On est en train de récolter les nouveaux retours et on va continuer à travailler de manière permanente. Ce sera un laboratoire aussi d'expérimentation. On a testé la semaine dernière un processus automatisé qui robotise un certain nombre d'opérations bancaires. Donc aujourd'hui, on est pleinement dans cette dimension-là, c'est-à-dire un parcours digital qui allié entre le meilleur du physique et du digital, les meilleures technologies possibles en termes de reconnaissance de documents, de robotisation qu'on est en train de, de, de mettre en place, des applications très diversifiées. Et on a pris la main là-dessus parce qu'on a créé une Digital Factory, une Data Factory. Donc, c'est des choses qui vont venir s'accélérer de manière assez importante pour continuer à innover et à profiter du meilleur du physique et, de, et du technologique. Donc, vous m'avez expliqué un petit peu le retour euh, positif mais avant de lancer euh, est-ce que vous n'avez pas appréhendé un petit peu le, euh, la réaction des euh, des clients qui sont généralement habitués à des à des espaces euh, euh, Classique, à avoir quelqu'un en face d'eux. Avez, comment avez-vous avez géré cette, ce, ce changement oui, oui, tout à fait. Mais déjà, quand on a commencé à travailler sur le concept, on l'a testé aussi avec des clients. Donc, on, on leur a demandé leur avis. On leur a montré ce qu'on voulait faire. On a recueilli un certain nombre de recommandations de leur, de leur part qu'on a intégrées dans les parcours qui ont été mis en place. On a aussi imaginé euh, non seulement des services, mais une circulation physique dans ces espaces-là et des parcours que le client sera amené à, à, à emprunter. Et c'est dans cette imagination-là de parcours qu'on a travaillé sur leur optimisation et sur leur capacité à les rendre les plus agréables possibles, les plus euh, intéressants possibles. Euh, pour autant, c'est un changement. Et donc, ce changement, d'abord, il a été agréablement euh, euh, perçu. Hein. On a eu vraiment des, des clients qui étaient agréablement surpris par l'expérience qu'ils étaient en train de vivre au niveau de l'agence. Après, il fallait travailler aussi sur le changement parce qu'on avait l'habitude d'avoir un certain fonctionnement et on va aller vers un autre fonctionnement. Donc, on les a accompagnés. On a mis en place tout un pilotage de cette phase-là de transformation. On a mis en place aussi, euh, et ça c'est nouveau dans le modèle des agences bancaires, euh, une assistance commerciale, des hôtesses, des assistantes commerciales qui accompagnent le client dans cette trajectoire-là. Et on ne les a pas laissés comme ça perdus à aller découvrir les espaces de l'agence. On les a vraiment bien accompagnés. On a aussi responsabilisé les responsables des, des fonds de commerce euh, en ayant désigné, dans certains cas, des responsables dédiés au service client. Ils ne font que ça. Ils pilotent le service client et la satisfaction client. Et à chaque fois, on prend le retour des clients, on prend les remarques. Ça s'est fait au quotidien, au jour le jour, pour être implémenté. Et on a mis en place tout un dispositif pour pouvoir prendre en charge tout ça, euh, y travailler, l'améliorer en permanence. Et on continue à le faire parce que c'est un travail en permanence. Sur des sujets de cette nature-là, il n'y a pas d'acquis. Il faut totalement et tout le temps se réinventer et répondre aux demandes et aux interrogations de nos clients pour mieux les satisfaire. La Société Générale a lancé son, son plan baptisé Avenir 2019. 2022 et donc de, depuis, depuis le lancement de ce, de ce plan, euh, vous avez accéléré un petit peu le processus de transformation, que ce soit digital ou innovation en, en, en général. Euh, nous aimerions avoir quelques exemples de solutions que vous avez lancées et qui ont eu un impact fort sur, sur vos clients. Merci pour, pour cette question, effectivement, qui est très importante. C'est un plan stratégique euh, tel que vous l'avez cité, c'est aussi un plan de transformation. C'est un plan de transformation euh, euh, bâti sur un certain nombre de piliers. Et, et parmi ces piliers-là, il y a bien sûr euh, la centricité client. Euh, et euh, remettre le client, je pense que tout le monde le dit, mais on ne l'a jamais vécu autant qu'on l'a vécu pendant que... Euh, que ce plan-là a été lancé et tout le temps on est en train de l'exécuter depuis l'année dernière. Effectivement, euh, le, le digital, comme je l'ai dit, n'est pas une finalité. Hein. Le digital vient épouser une volonté et une manière de fonctionner que le client souhaite avoir et là on constate parmi les, les, les éléments qui nous remontent c'est les clients de plus en plus ils veulent avoir de l'autonomie ils veulent avoir accès à l'information à distance ils veulent avoir euh, une capacité de dialogue d'interaction et de transaction de plus en plus poussée et donc c'est dans ce sens là qu'on a grâce à la digital factory euh, euh, pris notre destin en main pour pouvoir développer nous-mêmes nos solutions et effectivement on a développé une, une quantité importante de, de, de solutions digitales ça c'est ce que les clients voient en externe mais il y a une quantité tout aussi importante voire plus importante des solutions qu'on développe en interne pour pouvoir travailler sur les parcours la simplification l'automatisation la robotisation la lecture automatique de documents et j'en passe sur les solutions vues de l'extérieur il y en a plusieurs je vais citer à titre d'exemple Sogetrade qui est la nouvelle plateforme trade qu'on a développé par nos équipes de la Digital Factory et qui est aujourd'hui une solution qui est extrêmement intéressante et qu'on continuera à faire évoluer en fonction des besoins et des attentes de nos clients. Nous sommes persuadés qu'il faut encore aller sur le, le portail corporé si on est en train d'y travailler. Nous avons lancé l'application euh, SOPE avec nos partenaires, dont, en l'occurrence euh, euh, des partenaires qui nous ont accompagnés sur ce projet-là depuis, depuis le début. Euh, nous avons aussi euh, enrichi l'application SoGepro. Pro qui est l'application mobile et web dédiée à la clientèle professionnelle avec la double relation vie privée-vie professionnelle. Nous avons lancé la nouvelle solution mobile en remplacement de l'ancienne solution qui était en fin de vie et on est en pleine migration et c'est une solution sur laquelle on mise beaucoup parce que nous y avons mis beaucoup d'énergie, d'attention. Nous avons fait participer nos clients à sa création et à sa conception. Ils ont validé les parcours qui ont été mis en place là-dessus et on les fait réagir de manière régulière là-dessus et c'est une solution qui va évoluer de manière euh, permanente parce qu'on prévoit de manière régulière de no lancer de nouvelles versions. Euh, chaque mois, chaque trimestre, une, une, une livraison importante et, et, et euh, de manière à ce que les clients puissent s'y retrouver, que ce soit en termes de parcours, de richesse, d'autonomie de transaction. Euh, et on est très attentif à leur retour, on y travaille. Euh, C'est quelque chose qui fait partie euh, de nos préoccupations centrales. Nous continuons dans cette voie-là. Nous avons lancé aussi récemment et on est en train de travailler sur la mise en store d'une nouvelle solution d'identification client avec une logique aussi de lecture automatique, de robotisation derrière donc toute la technologie est mise à, à profit euh, pour pouvoir euh, justement incarner cette transformation digitale dont l'élément le plus visible comme un iceberg ce sont les applis mobiles mais en définitive la transformation est beaucoup plus profonde et beaucoup plus importante que ce qui est visible en externe et les effets inshallah vont être visibles progressivement euh, conformément à notre plan stratégique à la feuille de route qui a été dessinée initialement donc, euh, on dira que peut-être après 2022, ça sera la continuité. Euh... Absolument. Ce sera, à mon sens, une nouvelle phase. On prendra le temps d'y réfléchir pour la la concevoir avec euh, nos organes de, de gouvernance. Mais euh, on espère, et je pense qu'on est sur la bonne voie, euh, exécuter déjà cette première phase euh, avec des ambitions euh, assez fortes que nous sommes en train de réaliser. J'espère qu'on va euh, et, euh, les concrétiser complètement sur la période qui nous reste. Mais tout, euh, tout montre qu'on y est. Là, hein, ça va bien se faire. Puis on travaillera sur la suite euh, le moment venu. Mais on est confiant dans notre capacité à délivrer cette, ce programme. On est confiant aussi à notre capacité à nous renouveler à réinventer aussi de nouvelles stratégies en fonction de ce que les marchés vont vivre comme transformation ce que les consommateurs vont souhaiter comme nouveaux comportement et comme nouveau parcours et on sera là pour y répondre avec toute l'énergie toute la passion toute la conviction et toute la foi que nous avons dans, dans ce marché là et notre capacité à y répondre de manière satisfaisante